Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Nous sommes heureux d'être rassemblés ce soir pour la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Fête patronale de la cathédrale, fête patronale du séminaire de Paris, fête patronale du chapitre et de musique sacrée à Notre-Dame. C'est bien la fête patronale de beaucoup d'entre nous et de la vie même de notre diocèse, puisque c'est bien la Vierge Marie qui nous fait percevoir le dessein bienveillant du Père pour chacun d'entre nous. En la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est le manteau amoureux du Père qui enveloppe la Vierge Marie de sa grâce prévenante. Et en la Vierge Marie, nous faisons l'expérience d'être dans ce manteau amoureux du Père, dans ce manteau miséricordieux. Alors au début de cette Eucharistie, c'est avec confiance et plein d'espérance que nous nous en remettons au Père et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi purifié, nous aussi, de tout mal, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : Où es-tu donc ? L'homme répondit : Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit : Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre, en aurais-tu mangé ? L'homme répondit : La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme : Qu'as-tu fait là ? La femme répondit : Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, saint et son nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, saint est son nom. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur vit pour moi des merveilles, saint est son nom. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi,
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Au commencement, il y eut un temps où l'homme n'était pas marqué par le péché. Il y eut un temps où l'homme a désobéi à Dieu. La fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous renvoie à ce temps d'avant le péché. L'homme, image et ressemblance de Dieu, n'a pas été créé par notre Père pour que nous soyons dans la condition de pécheurs. Il n'a pas été créé pour que nous soyons soumis au mal. Il n'a pas été créé pour la mort. L'homme, avant le péché, a été voulu par amour, gratuitement, pour l'homme, pour qu'il soit, pour qu'il vive dans la communion avec Dieu. Il a été créé et il y a eu un temps où l'homme se promenait dans le jardin sans être marqué par le péché. Et la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire la célébration de la Vierge Marie comme ayant été préservée du péché par la grâce prévenante de la mort et de la résurrection de son Fils, nous remet devant cette grande espérance pour l'homme, devant ce souffle pour chacune et chacun d'entre nous, ce souffle étonnant. Oui, nous ne sommes pas faits pour le péché. Oui, nous ne sommes pas faits pour le mal. Oui, nous ne sommes pas faits pour la mort. La Vierge Marie, dans son Immaculée Conception, nous le rappelle, nous renvoie
à cette virginité originelle qu'il y a en chaque homme et en chaque femme. La Vierge Marie, en son Immaculée Conception, nous rappelle à la vie pleine et entière, car comme dans un diptyque répond à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, élevée au ciel en son corps et en son âme, dans la totalité de cette personne, de sa personne. Oui, la Vierge Marie vient décrire en le chemin de notre vie notre véritable destinée, car la Vierge Marie vient écrire dans notre vie le dessein bienveillant du Père, que nous soyons saints et irréprochables devant sa face, que nous soyons des hommes et des femmes appelés à la vie éternelle, appelés à l'amour, parce que nous sommes à son image et selon sa ressemblance, parce que nous sommes faits pour cette vie. Mais voilà, il y eut un temps où l'homme n'a pas eu confiance en Dieu. Alors il fut et il se laissa tenter par le serpent. Cette tentation du serpent, comme nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse, c'est ce soupçon. L'homme s'est mis à nourrir le soupçon que Dieu voulait enlever, ôter quelque chose à sa vie. L'homme s'est mis à soupçonner Dieu, comme si Dieu voulait limiter sa liberté, comme si, avec Dieu, l'homme allait devenir un peu moins homme, et que finalement nous serions un peu moins hommes si Dieu marchait à nos côtés. C'est le soupçon. C'est le soupçon sur Dieu. C'est cela la tentation du serpent. Alors, il nous faut entrer, non pas dans ce soupçon, mais entrer dans la libération que Dieu veut accomplir en chacun d'entre nous. Il nous faut entrer dans cette libération dont la Vierge Marie, dans son Immaculée Conception, est le signe. La question de ce soupçon que le serpent vient insérer dans l'esprit de l'homme, c'est ce soupçon que l'amour de Dieu crée une dépendance. Et finalement, l'homme, ayant ce soupçon de la dépendance créée par l'amour, veut se débarrasser de cette dépendance pour être pleinement lui-même. Mais ne pensez pas que ce soupçon est loin de l'humanité d'aujourd'hui. Combien d'hommes et de femmes, même devant l'amour, commencent par nous dire « L'amour a ouvert en moi un chemin de dépendance. » Et finalement, il y a dans la manière dont des hommes et des femmes n'osent pas s'engager dans l'amour, cette peur, ce soupçon qui date de ce serpent si lointain que l'amour serait entré dans une dépendance, alors que Adam et Ève, en prenant l'arbre du jardin, le fruit de l'arbre du jardin, ils ont cru qu'ils pouvaient vaincre par leur propre force la mort et les ténèbres. Ils n'ont pas osé compter sur l'amour qui ne leur a pas semblé fiable. Plutôt que sur l'amour, ils ont misé sur le pouvoir. Cette tentation de comprendre l'amour comme une dépendance, comme une perte de soi-même, est une tentation qui s'exprime alors par la tentation du pouvoir, par la tentation de devenir soi-même par soi-même, par la tentation de penser que il faut mieux se fier à soi que s'en remettre à celui qui nous aime.
Oui, il y a dans la tentation, dans le soupçon que vient insérer le serpent, la tentation et le soupçon sur notre liberté. Peut-on être vraiment libre en Dieu ? Faut-il, pour pouvoir être vraiment libre, avoir la capacité de dire non ? Ne croyez pas que cela est si ancien. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes pensent que pour être libre, il faut avoir la capacité de dire non, comme si cette capacité de dire non, non à l'amour, c'est-à-dire la capacité de connaître le mal, allait finalement élever l'homme et donner à notre humanité de devenir pleinement elle-même et de grandir. Alors même que je pense, et que la Vierge Marie nous le révèle en son Immaculée Conception, que connaître le mal, c'est connaître quelque chose qui vient abaisser l'homme, humilier l'homme, nier l'homme, entraver notre liberté. Cette peur de l'amour, ce soupçon sur l'amour ou sur Dieu, qui vient du coup identifier cette relation à Dieu ou à l'amour à une dépendance, et la liberté en cette capacité de dire non est finalement un chemin par lequel l'homme va vers une perte d'une partie de lui-même, alors qu'il n'y a que le bien qui nous fait entrer dans la vraie liberté, qu'il n'y a que l'amour qui nous fait entrer dans la vie, et qu'il nous faut renoncer, tourner le dos à ce soupçon pour entrer dans la vraie liberté, pour entrer dans le vrai accomplissement de nous-mêmes. Ce n'est pas en descendant dans les profondeurs du péché et d'une volonté d'action par soi-même et tout seul que l'homme trouvera sa dimension. C'est en agissant selon l'amour et par l'amour qui libère, qui élève. C'est en comprenant que l'homme ne trouve sa liberté qu'en ayant un juste rapport les uns avec les autres. Nous sommes des êtres limités, nous le savons. Mais notre liberté, alors, est aussi limitée. Elle ne trouve sa véritable dimension que dans la communion de liberté les uns avec les autres. Et c'est d'ailleurs pour cela que le mariage n'est pas fait rentrer dans une dépendance, mais dans une communion de liberté. Parce que le mariage ne fait pas entrer dans la dépendance à l'autre, mais dans la communion à la liberté de l'autre. Et c'est ainsi que notre liberté va trouver sa véritable mesure dans la juste manière de se comporter l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et c'est ainsi que la liberté va pouvoir se développer. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous apprend alors que la dimension de notre humanité s'accomplit lorsque nous osons, comme la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. Père, je m'abandonne à toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, dit la Vierge Marie à l'annonce de l'ange, celui qui s'abandonne totalement à Dieu ne devient pas une marionnette de Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu ne perd pas sa liberté. Au contraire, il trouve sa liberté véritable. Il trouve l'ampleur de la liberté du bien, cette liberté du bien qui nous est donnée lorsque nous abandonnons à Dieu, car plus l'on s'abandonne à Dieu, plus on est proche de l'humanité. La Vierge Marie est toute donnée au Christ, entièrement donnée au Christ, mais en Jésus-Christ,
elle est donnée à chacun et à chacune d'entre nous. Parce qu'elle est entièrement abandonnée au Christ, voilà qu'elle est donnée à chacun et à chacun et chacune d'entre nous comme mère de l'Église, comme mère des hommes, comme notre mère. Le Christ, alors, nous la donne comme notre mère parce qu'elle est donnée à lui et que lui nous la donne. Et à partir de ce moment-là, le disciple bien-aimé l'a pris chez lui, comme mère. C'est ce don total qui n'est pas la négation de l'homme, mais qui est l'accomplissement de notre humanité. C'est la Vierge Marie qui imprime en elle l'image de son Fils, l'image de celui qui vient chercher la brebis égarée dans les montagnes, celui qui nous appelle à oser avec Dieu, oser son amour, oser ne pas entrer dans ce soupçon sur Dieu, mais oser entrer dans la confiance infinie en cet amour qui nous sauve, qui relève l'homme et qui donne à l'homme de vivre éternellement, en cet amour qui nous donne d'oser, avec la foi, avancer dans la bonté infinie du Père, cette bonté qui ne se tarit jamais, mais qui est un fleuve qui entraîne sans cesse l'humanité, ce fleuve qui coule du côté du Christ sur la croix et qui irrigue l'humanité jusqu'à la conduire à la vie éternelle et à la rencontre du Père. Père, les enfants que voici ont demandé à faire partie du chœur de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Antoine, Mathilde, Isor, Constance, Dariane. Présentés par leurs parents depuis l'année dernière déjà, ils ont travaillé et fait effort pour bien remplir la mission que l'Église leur confie, chanter la grande prière liturgique dans la foi et la beauté. Aujourd'hui, nous pensons qu'ils peuvent recevoir l'habit de chœur de la maîtrise. Antoine. Voici. Mathilde. Isor. Constance. Dariane. C'est une grande joie pour moi d'être témoin de cette entrée dans le cœur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, que par votre chant, vous puissiez chanter la louange de Dieu et aider tous ceux qui vous entendront à entrer dans votre prière. Que ce que vous chanterez devienne aussi ce que vous croyez de tout votre cœur et que cela devienne ainsi le souffle de votre vie et qu'à travers le souffle de votre chant, ça soit le souffle de l'Esprit Saint qui puisse rejoindre tous ceux qui vous écoutent. Merci aussi à tous vos professeurs, à tous vos enseignants, à tous ceux qui vous
nous accompagne jour après jour pour ce bel effort pour devenir à la lumière de la louange de Dieu pour tous les hommes. On va vous remettre maintenant vos vêtements de cœur, puis je vais vous bénir. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, toi qui as voulu naître parmi nous, toi qui as connu les joies de l'enfance et l'enthousiasme de la jeunesse, toi qui as marqué de ta prédilection les jeunes en bénissant ceux qui venaient à toi, répands sur ces enfants ta bénédiction. Bénis la foi et la piété de leurs parents. Fais qu'à ton exemple, ils grandissent en grâce et en sagesse. Garde-les à ton service dans la simplicité de leur cœur, qu'ils fassent rayonner autour d'eux la joie et l'amitié, qu'ils soient de vrais témoins dans toute leur vie, et qu'après avoir été fidèles à tes commandements, ils chantent enfin ta louange dans la gloire éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Credo in nonum Deo, Pater omnipotente, crucifixus etiam pro nobis.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Infiniment bon. Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape Benoît, pour notre archevêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière,
dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
par lui, avec lui et en lui. C'est avec une grande confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis-moi la parole du Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Au nom de Monseigneur Beau, je tiens à remercier la présence d'abord de vous, mes frères et sœurs bien-aimés, de nos évêques, des chanoines, des chapelains, des autres prêtres, des diacres, des séminaristes, des chevaliers du Saint-Sépulcre et de l'ensemble de la maîtrise, auquel j'associe bien sûr le personnel de la cathédrale ainsi que nos musiciens, sans qui bien sûr rien ne serait possible dans cette cathédrale. Je crois qu'on peut, avant de terminer cette célébration, se féliciter les uns des autres et se transmettre la joie commune qui nous vient et qui déborde de nos cœurs et de nos lèvres. Un grand merci à tous et à chacun. D'autre part, je vous recommande, de la part du service de sécurité, d'être vigilant en sortant de la cathédrale, parce que le parvis, comme vous le savez, s'est paré de la couleur blanche, comme le manteau de la Sainte Vierge, mais cela peut permettre des glissades inappropriées. Alors, comme on va être nombreux l'année prochaine à célébrer le 8 décembre, eh bien, faites attention en sortant de la cathédrale. Rien n'est moins sûr que simplement votre vigilance, parce que le reste, c'est à vous de voir. Merci. Nous nous levons pour terminer notre prière et nous allons ensuite sortir avec un très beau motet. Unissons nos prières. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Et tandis que nous nous confions à la Vierge Marie, nous confions particulièrement ceux dont c'est la fête, et particulièrement parmi eux, les chanoines et les séminaristes du diocèse, en priant aussi le Seigneur d'envoyer de nombreux ouvriers à sa moisson, et en priant et en confiant à la Vierge Marie tous les futurs séminaristes aussi. Ah,